la qualité elle est moyenne. C'est moche. À l'aide, au secours. Du coup, bonjour. Vous l'avez vu, là sur le retour, ça a l'air d'aller. Bon, évidemment, la webcam a une qualité dégueulasse. Donc là, je lance déjà Minecraft comme ça, je peux aller dans les paramètres, modifier les trucs. Et comme vous voyez, la position de la webcam et du coup de l'ordi est différente parce que bah, j'ai enfin un écran à moi où j'ai pas besoin de demander si je peux prêter. Du coup, pour les streams, ça va être... Salut Max, comment ça va? Du coup, pour les streams, ça va être clairement mieux parce que comme ça, d'un côté, je vais avoir le chat. Et du coup, à retour. Et là, sur mon bel et grand écran, j'ai le jeu concrètement. Par contre, je le dis, Streamlabs m'énerve. Parce qu'en fait, j'avais déjà des problèmes avec Streamlabs la dernière fois, les précédentes fois. Et j'ai tenté de le désinstaller, de le réinstaller. Sait-on jamais que ça résolve le problème. Bah ça va bien, écoute, tranquille. Donc je me suis dit que j'allais désinstaller, réinstaller le logiciel, sait-on jamais que sur un malentendu ça marche. Tout à l'heure, en lançant pour la waiting room, comme d'habitude, ça n'a pas marché. Ça m'énerve. Et aussi, je voulais dire un truc. C'était quoi encore que je voulais dire? Bon là j'ai des pertes d'image parce que j'ai littéralement Minecraft qui se lance. Non mais je voulais dire un truc. Pour la musique. En gros, ce que j'ai pensé c'est enlever le fond musical pendant que je joue. Autant pendant la waiting room, pendant l'instant où je discussion où je bois mon verre d'eau, ça autant ok, je laisse la musique tranquille. Autant après je me suis dit que j'allais couper parce que ça me gênait moins parce que du coup moi j'ai le son fort que vous l'avez plus bas et du coup ça m'empêche de bien entendre les monstres. Et puis j'imagine que ça doit peut-être, je ne sais pas, vous énerver un peu aussi de ne pas entendre directement le son du jeu. Donc ce que j'ai fait. Donc ce que je vais faire, c'est que je mettrai les musiques directement du jeu, on ne les entend pas, H24, elles apparaissent comme ça, de manière totalement aléatoire. Et voilà, comme ça, j'ai plus cette gêne de... Oui, c'est Minecraft aujourd'hui. Pendant que je décède de chaleur, parce que j'ai mis un t-shirt noir... Et les couleurs noires sur l'événement gardent la chaleur. Et aussi, évidemment, je sais plus si c'est la semaine prochaine ou la semaine d'après, je tourne le point en live. Je me suis dit que ça pouvait être bien, et au cas où vous auriez des questions en live, c'est pour jamais. Parce que je prévois aussi de faire une partie FAQ. Donc si jamais vous avez une question, bah, c'est soit directement sur lequel serveur, soit c'est dans les messages privés directement, soit vous pouvez attendre le jour du stream pour poser votre question. Bon, déjà je vais enlever le mode full screen de Minecraft parce que là c'est un grand écran et mon PC avait un peu du déjà c'est bien qu'il sache filmer du Minecraft mais en full screen 1080p ça va pas le faire. J'ai aussi chaud, mais je suis crevé. C'est aujourd'hui que t'as fait ton sport, non? Je ne sais plus. Je ne sais plus c'est quel jour. Du coup, voilà. Bon, déjà, on diminue à 30 FPS. Hein. Merci, mais je tiens pas à ce que mon PC meure. Éclairage aussi désactivé. La micro, non, du coup. Particules réduites. Réduites ou minimales, je sais pas c'est quoi le minimum. Niveau de détail, ben non, du coup. Je vais mettre la résolution en mode
1280 sur 721. Hop. Bon, j'ai pas encore fini de boire mon verre d'eau par contre. La playlist là, c'est Neo Tape qui l'a fait, qui l'a posté sur sa chaîne secondaire et je me suis dit que j'allais l'utiliser en stream. J'ai l'encodage en surcharge, je comprends pas trop pourquoi. Bon, j'imagine que pour ce stream, ça sera chaud de modifier les paramètres parce que sinon, je pense que ça va juste redémarrer Streamlabs. J'en ai fait aujourd'hui, mais je vais en faire. J'aurais été courageux. Moi, déjà que le sport de manière. En général, que ça soit été. Que ça soit même à température, on va dire classique. Où tu décèdes pas, déjà j'ai du mal, mais alors quand c'est en été qu'il fait plus de 20-25 degrés, là c'est même pas la peine parce que je marche déjà dans ma transpiration, c'est dégueulasse. Alors, je vais mettre du coup la scène 3. Hop, alors j'ai fait quelques petites. Oula, non, ça c'est la webcam, qu'est-ce que je fais? Ah, on voit le jeu là. On va juste annuler ça. On va mettre en grand. C'est mieux pour voir. Hop. Voilà. Du coup, ce que je voulais dire, c'est concrètement, j'ai fait quelques petits trucs. J'ai pas fait. J'ai réaminé, rassurez-vous. Mais j'ai changé. J'ai un peu modifié tout ce qui était autour de la maison, histoire de me protéger. Mais j'ai pas tout fait non plus. Et je vais couper la musique. Vu que il y a le jeu du coup. Du coup, ça prend du temps pour charger. D'ailleurs, il risque d'y avoir un peu une baisse de FPS pendant quelques instants. Parce que, genre hier ou avant-hier, j'avais testé et les FPS étaient en chute libre. Ok, pour le moment, j'ai du 7 FPS à l'aide. Bon, on va laisser le temps au jeu de se poser, de se mettre bien. D'ailleurs, il y a une mise à jour qui a un peu changé le look des objets. Bon, puis nous, on dormira. Et ça a changé aussi au niveau des minerais quand on les mine, comme du fer ou de l'or, par exemple. Avant, quand tu les minais, en fait, tu récupérais, on va dire, le bloc directement. Et ça a changé. Évidemment, on ira en miner car il faut me protéger quoi. Donc là, j'ai vraiment fait la base de l'escalier pour faire ma technique dont j'ai parlé dans le dernier live sur Minecraft. Où en gros, on creuse en profondeur très basse pour avoir du diamant plus facilement que dans les grottes où je suis limite en PLS. Du coup, je vous montre un peu ce que j'ai fait. Bon, déjà. Comme vous l'avez vu, magnifique escalier. Et j'ai aussi fait des douves. Je dois juste rajouter
Bah, ça. Ce que j'en remarque actuellement. Je me souviens que je vais creuser là, je pense. Histoire d'éviter que, en mettant les barrières, les zombies ou autre monstre puissent passer par au-dessus, je vais concrètement couper cette ligne-là, mettre les barrières et couper cette ligne-là aussi. Je savais, je sentais que l'appel allait lâcher. J'ai l'orbe d'or qui est au sol. Je sais pas trop si changer ça va couper le stream. Je vais mettre des vidéos à 2000 kbps pour voir si c'est moi au sol, j'espère. Du coup, une pelle. On n'est pas là, évidemment. Là, je regarde un peu mon bordel pour voir si j'avais pas des bâtons. Mais j'en ai pas. Ah bah si, je suis vraiment aveugle. Hop. Je m'en fais deux, au cas où. Je fais en pierre comme ça, je gâche pas du fer, parce que là j'en ai pas encore. J'ai pas encore assez de fer pour pouvoir vraiment me permettre d'en faire avant non plus. Là, ça a l'air d'être mieux, non? Le début a l'air mieux. J'ai pas de problème sur la cadence. Du coup, je pense que je vais rester sur 2000 kbps. Bon, ça diminue peut-être la qualité du stream. Je sais pas trop. Et du coup, je dois faire ça aussi. J'ai pas ma hache ici. Du coup, on va devoir couper cet arbre après. Je suis même pas sûr d'avoir assez de barrières.
Ah non, j'aurais clairement pas assez. C'est à peine si je pouvais terminer, c'est à peine si je pouvais faire au début de la ligne. Et après, pouf, plus rien. Ça va me permettre. En vrai, c'est un avantage parce que ça va me permettre d'aller prendre ma hache. H. Les barrières, donc le bois, le bon bois. Alors, on va profiter pour faire du charbon. Comme ça, plus de problème de ce côté-là. Hop. Une barrière, ça sera pas assez, clairement pas. Bon, on tente avec ça, on verra s'il faudra en faire. Ça m'étonnerait, on ne sait jamais ce qu'on met en plus. Alors, ok, alors, ça va encore pour la clé. Par contre, j'ai fait comment là? Ok, ça reste collé. Je me rends compte que ça va poser problème pour moi. J'avais pas tilté tout à l'heure. À moins que je fasse le gros truc, mais. Ou que je galère. Ouais, va falloir que je creuse là ou alors que je monte la barrière ici. Genre si je la laisse plutôt hauteur plutôt que directement hop creuser comme ça. Enfin creuser qu'est-ce que je raconte. Voilà. Bon, pas sûr que j'ai assez pour le côté du coup. Il aurait carré que là de toute façon. Aïe. Hop là. On va quand même enlever ce qui est ici parce que c'est ça fait pas très beau. Ok. Ok. Je pense qu'on va pouvoir commencer à creuser. Bon, bah, je vais attendre qu'il fasse jour. Et j'ai besoin de torches. Je sais pas si j'en ai.
Bon, mais 50 heures, je pense pas que ça soit assez. Normalement, je ne devrais pas rencontrer d'ennemis. Puis j'ai quand même une épée. D'ailleurs, est-ce qu'on m'entend bien? Parce que du coup, le micro est un peu plus éloigné, donc je sais pas si on m'entend bien. Bon, je récupère du charbon, mais en soi j'utilise celui de bûche, donc bon, je récupère, ça peut toujours servir, mais c'est clairement pas grave, c'est pas grave si j'en ai pas. Ah, ça va bientôt se casser, pas cacher. Et je suis en 43, donc pas assez bas. Je le sais. Par contre, ça me sert à rien. Ah oui, je me rends compte, je pense que c'était pas là la dernière fois. C'est parce qu'en gros, je me suis déjà reconnecté quelques fois et je suis tombé sur un squelette qui avait justement de la ramure en côte de maille. Un truc qui n'est pas possible de faire en temps normal. Du moins sans tricher, parce qu'en gros, alors ça, c'est un truc qui date. Il y a autant pour le faire, en fait, il fallait vraiment le bloc des flammes. Pas juste genre de la lave ou utiliser des briquets, non, vraiment le bloc lave. Non, pas le bloc lave, le bloc de feu. Et du coup, il fallait concevoir comme une armure classique, quoi. Mais pour ça, il fallait absolument tricher, parce que c'est des blocs, entre guillemets, que tu ne peux pas récupérer. Enfin, que tu ne peux pas crafter plutôt. Mince, c'est pas ça que je veux faire. Bon, c'est pas grave. Je vais m'en faire deux. Comme ça, je suis tranquille un moment. Faudrait aussi que
un bloc en plus ici comme ça pour remonter. Après ça sera plus simple quand je mettrai les escaliers, parce qu'au final une technique pour aller ultra rapidement c'est en même temps que courir, tu sautes dans les escaliers et tu vas te déplacer beaucoup plus rapidement. Ah, j'ai entendu du zombie, je pense. Oui, c'est bien ce que je pensais. Il doit y avoir une cave tout près. J'espère qu'elle n'est pas dans le chemin. Ah, là, je vais pouvoir vous montrer le nouveau look. Des minerais. Ah, yes, je l'avais dit. Bon, on va vite fait récupérer ça. Pour cacher ça, cette grotte n'existe pas. Toi aussi, si tu veux des conseils pour bien se planquer des grottes, parce que c'est une grosse floupette, fais comme moi. Ou alors tu vas dans un sens direct différent. Pour creuser. Il y a un tour vert, mon vrai. Non, je ne sais pas. Je vais en profiter pour récupérer ma coupe de craft, comme ça je pourrais faire facilement les escaliers. Ça fait, ça on met, et on prend ça. Allez, je peux faire ça aussi. Ah bah, du fer. Encore une fer. Ok, on dirait que le problème est réglé, je crois.
que tout a l'air pas bien. Du coup, je recouvre combien là? 32, ok, je suis pas encore assez bas. Non, c'est pas ce que je veux faire. Voilà. Comme ça, je pourrais revenir tranquille quand j'aurai un meilleur stuff. J'ai l'impression qu'il y a des maisons bien. Bon, on va quand même refermer, c'est dernier. Je crois bien maintenant 24, c'est toujours passé. Je crois que c'est une histoire de couche 12, 10. En 17, je vais encore au milieu de 10. J'espère que votre couche 7, vous calculez bien, c'est incroyable, moi aussi. Comme ça, je suis sûr d'être en couche pour avoir du diamant. Encore une couche. Ok. Donc maintenant, bon, je vais faire le produit un peu ça. Et la redstone.
J'ai pas grand dire ça de partout comme ça. J'ai une zone tranquille à peau verte. On va passer à la partie creusée. Je pense même que ce que je vais faire, c'est, bon, vous êtes en train de le voir, c'est directement, hop, avoir une zone où je fais cuire tout, comme ça, j'ai pas à devoir tout temps remonter à chaque fois quand j'ai envie de miner très régulièrement. Enfin, de continuer à miner sans devoir tout le temps faire 1 milliard d'allers-retours. Hop, je pense que c'est bon. Je vais en profiter pour faire ça. Comme ça. Je ne sais même pas si j'aurai assez d'escalier. Même pas. On pourra couper 2, 4, 6. 6, ça va. Ah bah, du coup, bah, je peux pas le faire. Tout est en bas. Bon, c'est pas grave, j'ai du bois ici, donc. Hop. Voilà qui est fait. La redstone ici. Ah ben j'en ai déjà récupéré. J'étais allé si bas que ça. Aucun souvenir. J'en ai aucun souvenir que j'avais déjà récupéré 60 tonnes de redstone. Et de lapis à vie. Ça fait tellement longtemps que je m'en souviens même plus. Ah, il y a ça qui ne devrait pas être là. Mais là.
récupérer ça sans j'aille là. Ils étaient en train de faire un pogo. J'ai tout fait là, un peu que ça. Ben, je peux récupérer cela, tiens. Ben, si je fais pas, si j'en mets pas là. Du coup, il nous refaut. Au moins une pioche, je vais même en faire deux, tiens. Bah, je vais quand même prendre le fer avec moi. Et ça aussi. J'ai pris un chemin au pif. Là, le but, c'est concrètement, tu creuses. Juste, tu creuses en ligne droite. Dès que tu vois qu'il y a du minerai, que ça soit de la redstone, du diamant, bah, tu prends forcément. Et si jamais il y a de la lave, bah, évidemment, tu recules, tu fais attention, hein, pas de prendre la lave. Et tu changes de direction. Je crois que j'ai entendu de la lave. Oui, j'en ai entendu. Ah, diamant! Ouh, ok, c'est juste en dessous là.
Je vais avoir besoin de bons réflexes, donc je fais ça. Je pense que je vais pas récupérer ce diamant là. Je pense que la redstone elle est safe. Non, même pas en fait, parce que si ça se trouve, c'est juste au-dessus. L'instant je teste. Ça a l'air trop safe. Je vais pas trop risquer. Life is everywhere. Mais y a peut-être abus sur le fait que the floor is lava, non? J'étais en train de dire que j'ai plus de. Mais c'est en kiki, non? Ça m'énerve, hein? Ça m'énerve, ça te lave. Voilà, c'est bon, non? Il n'y a plus de lave. Ça m'énerve, hein? Ça m'énerve. Là, c'est bon, il n'y a plus là, c'est bon, ou je vais me faire foutre. Il y a encore de la lave. Je suis en train d'entendre de la lave. Voilà, et là, ça donne juste au-dessus. Bon bah, vous savez quoi? Au lieu d'aller de ce côté-ci, on va juste aller tenter à gauche. Parce que visiblement, le jeu a pas envie que je prenne ce chemin-là. Bon, ça je m'y attendais, hein. Heureusement qu'il n'y avait pas la lave, sinon j'aurais rapsnit probablement. Ça a l'air déjà plus safe que ce que c'est ici.
Ça peut me servir pour les marchands. J'ai moins récupéré ici, j'ai l'impression. Mais c'est plus safe. Enfin, c'était vraiment la route. Soit ça va être court, mais tu vas recevoir énormément de ressources. Soit la route safe. T'as moins, mais au moins t'es sûr de ne pas tomber sous de la lave. Je suis allé vachement loin. J'ai failli continuer. Ça. Et je m'en fais deux. Et je pense que je vais m'en arrêter là pour pas pour stream, mais je vais encore un peu continuer. Mais je vais pas continuer à miner. Je sais pas encore ce que je pourrais faire. Je me rends compte que j'ai pas éclairé réellement à la partie extérieure. Donc en fait ça fait que les zombies peuvent quand même apparaître. Faudrait que je protège ici. Bon, je vais. Oula, je vais devoir un zombie sur mon toit. Waterloo my swamp. Du coup, ça veut dire que je dois mettre de la lumière sur mon toit. Génial. Bon, je vais attendre qu'il fasse jour quand même. Hop là. Chat est en train de cramer, quoi. C'est pas passé. Je vais peut-être faire sur moi, c'est pas grave. J'ai énormément de terre quand même. C'est sûr qu'il a vu poupée ici. Je pense que là ça devrait être bon pour ici. Là je serais tranquille, je pense. Et je vais en profiter pour la lumière. C'est pas là-bas, c'est l'arrière. Ah non, c'est une fleur. Faudrait que je mette évidemment plus de torches, mais je mets déjà le minimum histoire d'être tranquille à ce niveau-là. Hop. Voilà, avec deux torches, je vais pas faire grand-chose là. Hein. Là, je pense que j'ai assez. On
déjà à la base. Ça, dans les points. Enfin, j'aurais peut-être dû laisser la nuit comme ça. Ça va être plus facile pour voir où mettre concrètement les torches. Ou alors je mets au pif. Non, pas là, là. Là, à tous les coups, si la creeper veut m'exploser dans le dos, qu'il le fasse. C'est ce qui a failli m'arriver en plus pendant que j'étais en off en train de faire le début de tout ça, quoi. Et enfin, je modifiais la taille de la muraille que j'ai élargi un peu. Et à un moment, j'entends le bruit des creepers, j'ai eu le temps mais de faire mon meilleur sprint. Je vais vous montrer où il a explosé. J'étais genre quelque part ici, j'étais occupé, tranquille, normal. J'entends. J'ai couru. Je vous jure que c'était de la pire crise cardiaque au monde. Parce que heureusement que t'as le temps d'entendre et que j'avais assez d'espace pour courir. Parce que sinon, soit j'étais mort, soit j'étais très mal en point. Dans tous les cas, j'étais en PLS. Très clairement. Je vais aller voir si ça a fini de cuire en bas. Ouais, ça finit. Après l'XP. Ça, je vais faire, comme ça c'est fait, ça ne me stresse plus. Mode giga rapide en appuyant sur espace sur courir sur la commande pour courir, ça dépend de vous. Ça c'est en appuyant deux fois très rapidement sur Z, soit vous faites Z contrôle plus l'espace. Mais il faut d'abord faire pour courir puis l'espace parce que sinon vous allez juste sauter en fait en vous déplaçant sans courir. Je vais aller nourrir un peu les animaux, comme ça, c'est fait. J'étais en train de dire, tiens, je vois pas les cœurs, mais en fait, ça ne les affiche pas. Voilà, je pense qu'on est bon. Hop. Je vais un peu tondre la laine des moutons. Et après, on pourra terminer là-dessus. Et puis bon, ça, je garde toujours, hein. Oui, d'ailleurs, vous venez de le remarquer, j'ai modifié l'enclos pour que les vaches soient avec les moutons, qui a un grand espace, et les poules, elles ont un petit espace
préservé à Ed. Voilà. Je sais pas encore ce que je vais faire de la laine. Dommage qu'on peut pas faire de vêtements sans passer par les modes. Et parce que j'imagine qu'il y a des modes pour faire des vêtements. Alors ouais, il y a bien avec, j'allais dire le curry, mais non, avec le cuir où tu peux changer la couleur. Si tu utilises du lapis lazuli, je vais vous montrer. Je vais faire un truc simple. Comment ça se passe? Ah, il faut peut-être. Oui, tac, tac. Et ça. Voilà, et ça fait des bottes en cuir teintées. Mais les bottes, que ce soit les bottes ou juste les tenues cuir, c'est un peu l'équivalent du bois en fait, si vous voulez. C'est bien, peut-être au début, vraiment au tout début si vous n'avez pas de fer. Mais dès que vous avez assez de fer pour vous faire une armure, ça sert plus à rien. Je pense, ça je pense à ce que c'est d'après moi, l'ordre bah, des objets, des outils, c'est bois, pierre, or, fer, diamant, pouce. Et dernier élément, la nésor, je crois. Et pour les armures, c'est cuir, or, maille, fer, diamant et nésor. C'est pas du tout nether, qu'est-ce que tu racontes le nether, c'est la zone où on peut récupérer justement le matériel. Je sais plus du tout comment ça s'appelle. C'est dans le progrès, je crois. C'est de la netherite, voilà. C'est de la netherite, pardon. Parce que je pense que clairement la cote de maille c'est un peu meilleur que l'or. On peut tester donc ça c'est un. En vrai c'est peut-être même et en égalité. C'est peut-être à égalité en vrai. Normalement l'or en bas a terminé. Je récupère ça et après on terminera le live là-dessus. Je crois que je stream depuis. Je stream depuis plus d'une heure. Ah, c'était de l'or, pas... enfin c'était du fer, pas de l'or. Ah, tiens, comment ça fait, je vais juste vérifier si les torches font le taf au niveau lumière. Ou si je dois modifier. Comme ça, ça a l'air bon. Ici, ça a l'air bon, ok. Ici aussi. Là, j'en ai peut-être placé un peu trop ici. Hop. Et ça a l'air bon ici aussi. Du coup, c'est parfait pour moi. Ok, tac, je dors et je quitte juste après. Hop, quitter. J'allais dire demain, mais peut-être le prochain stream, je vous montrerai un peu. J'aime bien le mode hardcore et d'autres modes hardcore que j'ai fait, histoire que vous voyez un peu ce que je fais que sur les autres modes hardcore. Quand je joue en AFK comme j'appelle, enfin en AFK hors stream. Hop, ça c'est fait. Du coup, je vais peut-être remettre de la musique. Hop là. Ça va être du fake. Bon, je vais juste la remettre au début de la chanson, moi. Hop. Le fake apocrypha. Si ça veut bien sûr, c'est bien.
Voilà. C'est de ma playlist, enfin, ouais, c'est la playlist OST chill et pixade. Du coup, bah, c'était un anniversaire sympa. J'ai pas du tout vu le temps passer. Parce que là, j'ai littéralement en train de regarder. Ça va faire 1 h 15 de stream. Je m'y attendais pas du tout. Je pensais que ça faisait 1 heure. C'était un live assez posé, un peu différent parce que justement, il n'y avait pas la musique. Du coup, bon, l'image là est dégueulasse. Parce que c'est le soir, donc il y a forcément moins de lumière. Et en plus, la qualité de base de la webcam est pas folle. Donc là, vous voyez, c'est bien dégueulasse. Du coup, c'est un live assez sympa. Un peu différent, vu qu'il n'y avait pas en fond la musique tout le temps. J'espère que vous avez quand même apprécié. En fait, si ça se trouve, c'était ça qui avait posé le problème. C'est le fait que YouTube était encore en fond. Parce que j'ai prévu le coup avec la waiting room, donc vous savez, avec l'image, bon, je vais vous montrer. Non, bon, c'est pas ça. Enfin, c'est avec l'image, le gif, avec le décompte de 5 minutes. Je pense que c'était ça en fait qui posait problème et que j'ai pas coupé. Et c'était peut-être ça, je ne sais pas. Bref, on verra bien si ça se trouve, c'était pas tout ça. Bref. Merci d'avoir vu ce stream. Salut tout le monde, c'était The Caca. On se retrouve la prochaine fois. J'ai quand même laissé la musique de fond. Enfin, la musique en fond.